ce qui est important aussi, c'est peut-être d'avoir l'audace de magnifier un mot. Et ce mot, c'est amour. Ah, on oui. n'ose plus oui. véritablement ah, oui. le mettre aux bonnes sauces. Absolument. Oui, et puis le mot amour au sens de devoir. Devoir. Parce qu'on entend amour au sens de sentiment. Il y a des devoirs. Voilà. On entend amour au sens de sentiment, et tout le monde est d'accord qu'on aime sa petite amie, qu'on aime son petit ami. Bon, et qu'une mère aime ses enfants, et vice-versa, les enfants, leurs parents. Mais s'obliger à aimer l'autre, en se disant, sa chair, elle est comme ma chair. Quand il souffre, c'est comme quand je souffre. Quand il est heureux, c'est comme quand je suis heureux. Si je n'ai pas la possibilité de partager à la fois cette joie et cette souffrance quand elle se présente dans sa vie, alors je ne suis pas véritablement un homme d'amour. C'est à ce moment-là qu'on devient un homme d'amour.